This is what I love about our jobs, is that to have moments like this, where we all sharing something which we love. And I think, how can it be the magic, almost the magic here? We're in the right place at the right time, do what we love. So at the moment, we are definitely moving from white spirits to brown spirits, that's for sure. And of course, what, nothing better than cognac. I mean, we're talking, going back to basics almost. I know sometimes it can be boring because we're talking about some of the basics, you know, old classics and go back. But what I love is that the challenge, because for a bartender, brown spirit is not as easy as the white. Something very tasty. So it's a challenge. Yeah. And I think what I love, especially about the youngsters, they're responding so well. They love it. Of course, they're using all their energy, the enthusiasm, the creativity, which are the young people that seems to be having an abundance of. Yeah. And it's great. So you love the new generation. What? I do, because they don't seem to, we really almost say panic. Mm. But anytime we go brown, oh my God, what are we? But it's the young people taking over in the stride. You know, say, oh yeah, brown, yeah, that's, well, no problem, boom, boom. You know, they can. It's terrific. I think it's wonderful. Peter vient nous expliquer qu'il était enchanté d'être là, que c'était une grande chance pour lui, qu'il était très touché déjà d'être invité à Cognac pour cet événement, que de mixer autant de talents, de se retrouver au milieu de tous ces jeunes talents, parce que Peter fait quand même partie de l'ancienne génération, c'est quelqu'un qui est une légende maintenant, comme on l'a dit dans l'introduction, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du bar. Et il est touché d'être là, il pense que c'est une chance pour notre métier, d'avoir un tel dynamisme autour de ça. On a quand même un beau métier, c'est ce qu'il dit, on fait quand même un des plus beaux métiers du monde, on passe notre temps à goûter des cognacs, à goûter des spiritueux. Et aussi, Peter est très touché et impressionné par la passion que développent les nouveaux barman. Il m'a dit, je suis très impressionné par la nouvelle génération, parce que là, on travaille sur le cognac, et c'est vrai que le cognac est un des spiritueux les plus durs à travailler en cocktail, faut pas se leurrer, les spiritueux bruns sont plus durs à travailler que les blancs. Mais on tend vers ça, et ils trouvent justement que maintenant la nouvelle génération, quand on leur met ce challenge justement aller travailler le cognac en cocktail, et c'est ce qu'il m'a dit, on lui aurait demandé ça il y a 20 ans, il aurait eu très peur, mais là on vous leur mettait un challenge de travailler un cocktail au cognac, et boum, ils y vont tout de suite, ils sont passionnés, ils ont peur de rien, ils vont très loin dans la création, ils osent beaucoup de choses, et c'est ce qui l'a impressionné pas mal pendant ce séjour justement. Francesco Lafranconi, Director of Mixology and Spirits Educator for Southern Wine and Spirits of America. What are your feelings about this event? Well, this is an unbelievable event, particularly for the talent that is here, because there are great mixologists from, you know, 6 or 7 countries around the world. And beside that, we have the opportunity to taste amazing cognacs. You know, coming here, I think, is an opportunity to discover this such a great brown spirit, you know, cognac with so much history. And I actually, when I quote today, I said, cognac is the finest ambassador of civilization. Ce que Gianfranco vient juste de nous dire, c'est que le cognac pour lui représente vraiment le symbole de la civilisation, donc c'est quelque chose d'assez important, et il a beaucoup de chance d'être ici en France pour découvrir tout ce cognac, la richesse du terroir français, du terroir cognacé en l'occurrence. What do you think about all mixing all these talents to create something quite amazing, or to have that idea? I think that combining all the talents together is it's been very challenging in the beginning. You know, everybody is very sure of his or her own craft. So sharing, you know, thoughts and so forth became a great opportunity for teamwork, and everybody can teach you something. So every day is a learning day. That's why we call it, we're not drinking, we're learning. Mm-hmm. And I think it was great to see the opportunity to exchange flavors and, you know, different techniques, and working with cognac. It's, you know, particularly tasting and retasting the classics brings you back to the beginnings, to the roots. So I think it's been a great experience so far. Looking forward to see for more. Donc il apprécie beaucoup cette expérience, et c'est vrai que mixer tous ses talents, tous ses mixologistes autour d'un produit qui est quand même un des produits les plus qualitatifs, il pense que c'est vraiment un challenge déjà, parce qu'arriver à faire travailler aussi tous ses barman, c'est quelque chose d'assez compliqué, il faut arriver à mettre tous ses talents d'accord, entre parenthèses, mais il est très intéressé par ça, et il veut voir ce que ça va donner, justement ce que le résultat va donner
après les libérations. But I think also that we, as a young mixologist, basically the people who are running the bartending industry, we have a responsibility. We have a responsibility towards these amazing spirits that not only represent France, a wonderful country, but also one of the leading spirits categories in the world. And we have the responsibility, again, I repeat it three times, to promote cognac, not only straight in the snifter in front of the fireplace, but you know, in cocktails, and or even with a simple well-made ginger beer or ginger ale. So if we want to keep the legacy going, we must work together to promote this great brand. On a un rôle, on a une obligation dans notre profession, ils pensent, et on doit faire la promotion du cognac, qui est un spiritueux, un des plus beaux spiritueux du monde. Et on doit vraiment, ce genre d'événement permet de continuer à promouvoir le cognac, de continuer à faire que c'est un des spiritueux les plus qualitatifs qui existent sur le marché à l'heure actuelle. Donc, thank you, Francesco, and hope we're gonna see great things tomorrow, and we're gonna have nice cocktails coming from that talents. So thank you. Stefan, thank you, and Lauren, and InfoBar for this opportunity. Thank you very much. Thanks. Santé. Thanks a lot, Francesco. Cool.